Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très 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 bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer le logiciel avec lequel je filme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, oh tu filmes avec quoi, etc. Alors je vais un petit peu vous l'expliquer, parce que maintenant je filme en Full HD, en 1800p, donc c'est du Full HD. Donc si cette vidéo d'ailleurs, quand vous la regardez, n'est pas en Full HD, eh ben modifiez-le dans les petits paramètres en dessous. Vous voyez ma souris, ils mettent sur YouTube paramètres et ils mettent plusieurs dimensions de vidéo, mais vous mettez 1080p parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà, donc voilà. Donc mon logiciel s'intitule Action Merilis. Je vous l'écrirai dans la description et vous, ça je suppose que vous saurez télécharger tout seul. Vous tapez télécharger Action Merilis, soit gratuitement ou soit vous l'achetez. C'est comme vous préférez. Donc, mais gratuit, je crois qu'on n'a qu'une période d'essai. Je ne sais pas très bien comme ça. Donc oui, donc avec ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut filmer qu'une partie du bureau. Donc si j'ai envie de filmer par exemple les quatre fenêtres ici, je montre en bas à gauche, eh bien, je peux les filmer. Je peux filmer que ça. Évidemment, on peut filmer le bureau comme je filme ici, ou du jeu comme je fais d'habitude sur Farming. Alors nous avons des fichiers de vidéo. Oui, dimension de la vidéo 1080p. Vous pouvez faire du 720p ou du 480p. Donc je ne touche pas trop parce que j'enregistre. Images par 30 par seconde, moi je vous mets 30, mais vous pouvez aller jusqu'à 60. Enregistrer le son du système et autoriser l'enregistrement du son sur plusieurs canaux et microphones, bien sûr, toujours enregistré. Et pour démarrer et arrêter l'enregistrement, c'est sur FF. Donc au niveau, on peut aussi enregistrer des pistes audio. Donc si vous voulez enregistrer une musique ou quoi, ben vous appuyez sur F10. Dans ce cas-ci, maintenant dans les paramètres, hein, et clavier ici, on peut modifier toutes les touches, parce que si vous utilisez F9 pour faire autre chose, ben, vous ne saurez pas démarrer avec un F9 forcément. Vous pouvez enregistrer le son de la musique ou quoi. Sur ici, c'est des durées, donc vous pouvez enregistrer des trucs, mais avec des durées, par exemple, enregistrer que pendant 1 minute ou 2 ou 10 ou quoi. Donc ici, ça capture d'écran, donc vous appuyez sur F2. Dans mon cas, et vous avez la capture d'écran, et hop, regardez, je clique ici, et vous avez une photo. Donc ça qui est la photo d'apparence sur YouTube, une prochaine présentation de mode que je ferai sur cette faucheuse-ci, dans quelques jours. Donc, voilà ici, donc la langue français. Donc ça, c'est ce qui est très bien avec ce logiciel-ci, c'est que tout est en français. Donc ici vous avez quelques petits paramètres ici. Donc ici vous avez la qualité de la vidéo, donc haute, normale, basse, la gamme d'entrée, l'enregistrement, et vous pouvez même mettre une petite photo, parce que dans d'autres vidéos que j'ai faites, j'ai mis des photos d'autres acteurs juste à côté de la présentation de mode, donc voilà. Vous pouvez aussi mettre ça. Vous avez aussi une webcam, si vous voulez vous filmer en train de faire votre vidéo, ben, il y a la webcam. Il y a même deux webcams disponibles. Donc là, c'est le volume du micro qu'on peut définir. Là c'est la TH, donc ça c'est pendant cette petite fenêtre rouge, petite fenêtre FPS. Donc ici c'est les paramètres d'exportation. Donc ici vous avez user, l'accélération matérielle pour encoder la vidéo, donc accélération, etc. Vous avez même des mots de passe et dossier final, voilà. Et ici c'est toutes les ah, excusez-moi, j'arrive plus à parler, les
Je trouve le mot les paramètres. Donc, ce qui est bien, c'est que avec une vidéo, quand vous avez terminé la vidéo, vous pouvez cliquer sur ici en bas, YouTube. Vous cliquez dessus et ça va tout de suite apporter donc sur YouTube. Donc regardez, je vais le faire. Et vous avez ici alors donc YouTube HD. Donc quelle est la vidéo haute. Donc en Full HD. Donc ici vous avez les petits trucs. Donc YouTube. Le gain, le mot de passe, le titre, la description. Vous avez les la catégorie et le droit d'accès. Et vous appuyez sur Start quand c'est fini. Pas enfin, quand pour démarrer. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite présentation de mode vous a plu. Bye tout le monde, c'était Olivier Beau. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker, lâchez-vous sur les commentaires. Donc bye tout le monde.